conférence, Antoine et Madian Kambanda, archevêque de Kigali et président de la conférence des évêques du Rwanda, leurs excellences, les évêques, les vicaires généraux, les vérants supérieurs majeurs de divers instituts de vie consacrée et des sociétés de vie apostolique au Rwanda, messieurs les abbés, révérends frères et révérends sœurs, chers conférenciers, chers participants, frères et sœurs dans le Christ, Jésus-Christ à tous. La commission épiscopale de JCP Rwanda exprime sa profonde et sincère gratitude pour votre présence aux assises de la conférence de trois jours sur la purification de la mémoire dans le processus chrétien d'unité et de réconciliation au Rwanda. Ainsi, nous vous souhaitons la bienvenue à cet important atelier de travail d'échange. Il y a 30 ans, le Rwanda sombrait dans le génocide perpétré contre les Tutsis. L'Église catholique au Rwanda, aux côtés des institutions étatiques, a fourni beaucoup d'efforts dans la dynamique de la reconstruction sociale à travers ses diverses initiatives pastorales. Mais hélas, force est de constater que le poids du passé pèse encore sur beaucoup de Rwandais. Les blessures non traitées ou superficiellement traitées et non guéries, les histoires inhibées, les traumatismes récurrents sont entre autres les fléaux, les défis auxquels nous faisons face jusqu'à aujourd'hui. Alors, comment faire pour que le revécu des événements du passé ne déchire pas à jamais la vie intérieure du Rwanda? Qu'allons-nous faire comme Église pour que les ombres du passé fassent place à la lumière vers le futur radieux? En fait, nous devons apprendre à vivre dignement avec le poids du passé, en nous confrontant avec les ombres du passé pour en sortir plus fort et résilient. C'est la raison pour laquelle se tiennent ces assises. Nous exprimons notre profonde gratitude à Adjamondo Service Civil pour la Paix, en la personne de Francis Ebazé, pour son appui technique pour la tenue de cette conférence. Les participants à cette conférence auront des réflexions poussées sur le concept de purification de la mémoire au sein de l'Église et ses implications pratiques dans le processus chrétien d'unité de réconciliation. Il faut qu'au terme de cette conférence, nous ayons des orientations pastorale claire quant à la dynamique de réconciliation, d'éducation à la paix, d'accompagnement du programme de demande et de droit du pardon et de réintégration communautaire des prisonniers qui purgent leur peine. Encore une fois, nos remerciements à Son Éminence Antoine Gaden Kambanda et à leurs excellences les évêques pour avoir arrangé leur agenda et rehaussé de leur présence et participation ces assises. Notre gratitude à vous toutes et à tous pour avoir répondu à notre invitation et nous souhaitons bienvenue. Merci. Et permettez-moi de faire quelques présentations.